Non, mais l'exploit, toi, t'es tombé dedans quand t'étais petit. On va faire une pâte à la checca, spaghetti à la checca. La checca étant une sauce qui est effectivement typiquement sicilienne à base de juste d'ingrédients frais. Voilà, donc tomates fraîches de saison, basilic frais, ail frais, poivre blanc. Le tout non cuit, donc totalement frais. Et ensuite, on jette les pâtes chaudes dans cette sauce tiède et on a une pâte estivale exceptionnelle. Et on rajoute juste à la fin la mozzarella di bufala dessus. Et on remet quelques feuilles de basilic et ça vous donne un plat extrêmement agréable. Je vais mettre un four d'huile d'olive. Donc ça, c'est une huile d'olive. Là, on est sur une huile d'olive bio, une monocultivar qui est la Rotondella. Dès que les tomates sont vraiment mûres, la première chose qu'on fait, on les jette donc dans l'eau pour les peler. Donc on les laisse pendant quelques minutes comme ça faire. Je vais préparer l'ail. Hop. Donc là, nos tomates, elles sont presque prêtes là. Hein. Et là, celle-là, il y a une stérilisation. Elle est malade, très bien. Et c'est tout. Alors, ce que vous pouvez, on va mettre toutes ces petites mousses d'ail que vous avez préparées. On peut les couper en deux, celles-là. Voilà. Vous les mettrez là-dedans, dans l'huile d'olive. Vous pouvez couper un peu de basilic, ce basilic-là. Voilà, on va le couper dedans. Oh, c'est pas bien la masse. Alors là, on a mélangé les tomates. L'huile d'olive, l'ail coupé, le basilic et la tomate écrasée. Ensuite, le poivre. Et du poivre blanc. Donc là, vous allez avoir des pâtes qu'on vient de développer, qui ne sont pas encore vendues, mais qui seront vendues dans deux mois, qu'on a fait avec un grain de blé antique. Madame, vous êtes une experte. Et ça sent bon. Et c'est simple à faire. Ça, ce sont des spaghettis à la chitarra. Parce que normalement, une spaghetti avec un grain de blé antique ne peut pas être faite de façon industrielle, c'est-à-dire toute droite. Ah oui. Alors, ça s'appelle... Voilà. En fait, ça se coupe comme de la ricotta. Ça devient presque de la ricotta. Voilà. Voilà. On va rajouter l'huile à ce moment-là. Prête ou pas? Oui, ça tourne. C'est quoi votre prénom? Patricio. Le maximum de pâtes que je peux. De ça? Non, mais ça c'est... Les pâtes là-bas, hein? Allez, c'est vous la première. Non, c'est vous la première, je suis désolé. Et après, vous êtes en deuxième. Un délice. Elles sont bonnes? Oh, c'est magnifique! C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim.